Ah, izo message wako hanzi hahau. Ah. Ada fizer uko hanzi hapia kito ya. Ah, sele po eme kamo de na mwede. C'est possible tout. Ça va, va, va. Salut tout le monde. Notre correspondant dire il ne fait aucun doute qu'Israël est derrière cette attaque. Il ne fait aucun doute qu'Israël est derrière cette attaque. Vous partagez cet avis? Alors je ne j'ai pas mon avis à donner, en fait simplement Israël n'a pas revendu. Abdul Karim ni aja urenga.
Ah, 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 ah
Il est disappear. Ah, c'est bon.
Thank you.
Là, l'argent, on est quand même très très fiers. Vous pouvez faire un point sur le tableau des médailles? Mais oui, regardez, on est désormais quatrième au tableau des médailles. Ça reste très bien. Ça reste très bien. Juste devant nous, il y a l'Australie, la Chine et le Japon. Il y a une image qui nous a vu revenir, c'est Clarisse Pégnon. Parce qu'elle y croyait, mais hélas, elle n'a eu que le bronze. Le sport est si cruel parfois, et c'était le cas hier soir. Mais on retiendra donc ces larmes de Clarisse Agbenienou qui a vu son rêve de doublé olympique s'envoler, battue à la surprise générale en demi-finale. Elle s'est consolée avec le bronze, mais ce n'est pas cette couleur de médaille qu'elle était venue chercher. Je cite, je pouvais décrocher la lune, j'aurais dû la décrocher, c'est ce qu'elle a dit après son combat. Elle a déjà donné rendez-vous en 2028 à Los Angeles. Elle dit que là, il ira chercher la médaille d'or. On n'est pas qu'à engager également pas par équipe. Ce qui était très touchant, c'est de voir la ferveur du public. Ils lui ont redonné le courage qu'il fallait pour aller chercher cette médaille de bronze. Elle, en revanche, elle a affiché un large sourire. C'est votre chiffre du jour. Le deuxième chiffre du jour, c'est 37. 37, c'est le nombre de médailles remportées par Simon Biles aux Jeux Olympiques et aux Mondiaux. Terminer les démons dans sa tête, oublier la fatigue mentale de Tokyo. Simon Biles est de retour et elle est devenue hier l'américaine la plus titrée de l'histoire. C'est incroyable, la méga star américaine a donc remporté hier le concours par équipe. C'est bon, bravo. Mais est-ce qu'on va assister alors? Alors, en cause, non pas la chaleur au sein des bâtiments, ni même la nourriture parfois au village qui n'est pas suffisante selon certains athlètes, c'est la judoka Roman Diko qui parle, et bien, d'une crise diplomatique en cause, le Uno, jeu de cartes. Et oui, pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas les mêmes règles, notamment les Canadiens. On en peut mettre plusieurs plus quatre. Et bien voilà, et bien eux ils sont convaincus qu'on ne peut pas poser plusieurs cartes à la fois. Le débat est ouvert ce matin. Je cite Roman Diko, les Canadiens parlent français, ils nous copient, mais ils ne savent même pas jouer à nos jeux. Ah, c'est la guerre. Quand est-ce qu'elle se bat d'ailleurs, Roman Diko? Le dernier jour. Ah oui. Les dernières petites photos qui nous a marqué aujourd'hui. Photo historique. Regardez ça, on vous en parlait déjà tout à l'heure. Des Nord-Coréens inconnus du grand public qui ont donc et qui sont arrivés en finale du double mixte. Et regardez cette photo, on y voit les Coréens du Sud prenant un selfie avec les Coréens du Nord qui sont à gauche de cette photo. C'est l'image diplomatique. Absolument, c'est devenu viral sur les réseaux sociaux. Les Nord-Coréens du Sud réunis. Merci beaucoup pour vous demain pour un nouveau réveil sportif. Et nous, on va sur le toit de TF1 pour retrouver Pierre le Cultivateur, accompagné de Maud Descamps, les plantes aromatiques ce matin. Et oui, regardez, ça y est, on est sur la terrasse. Alors on a beaucoup de chance parce que la pluie s'est arrêtée de tomber. Regardez ce beau ciel bleu qu'on a au-dessus de nous. C'est absolument parfait. Donc on est avec Pierre pour la dernière étape de nos plantes aromatiques. Pierre, on a fait tremper la motte pendant 15 minutes. C'est ça, tout maintenant, à fait. On va rempoter. Alors expliquez-nous comment on prépare le pot. Alors, le mieux, c'est d'utiliser un pot en terre cuite. Quand même beaucoup plus grand pour les plantes aromatiques. Là, on le voit par rapport au pot en plastique qu'on a acheté. On a de quoi mettre deux doigts de chaque côté et il y a un peu plus de profondeur. Il faut un pot en terre cuite.